Barça. OM. City. À ma sortie de Strasbourg, on m'avait proposé de peut-être partir en Thaïlande ou même en Roumanie. Baptiste Guillaume, qui est un très bon ami, qui joue à Valenciennes. On va dire que pour l'instant, c'est le meilleur échange. Parce que voilà, on a une belle amitié depuis qu'on a joué ensemble à Strasbourg. Celle que Drogba faisait à l'époque de Chelsea, la glissade sur les genoux. Bah si, justement, c'est ça un peu la crainte. Donc c'est pour ça que j'ai bien dit celle de Drogba, parce qu'il la maîtrise. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux pas se rater comme certains l'ont déjà fait. On m'a déjà confondu avec Antoine Griezmann. Bah, je suis un peu surpris, j'y crois pas trop, enfin moi je trouve pas. Après, vu qu'on me l'a répété plusieurs fois, je me suis quand même posé la question s'il y avait une petite ressemblance, mais pour moi non. Lui c'est lui et moi c'est moi. À Gueno, notre ancien gardien, il avait souvent un petit tic et il aimait bien mettre des straps un peu partout, alors que il en avait pas forcément besoin, c'était plus par habitude. Je pense que là, ça va le faire flamber, mais j'aime beaucoup le style à Thomas Touré. Son style vestimentaire, il est vraiment pas mal. Jason est pas mal aussi. Mais plus lui, c'est plus dans la vie de tous les jours, on va dire. Thomas, c'est plus pour sortir le week-end et tout ça. J'aimerais jamais avoir la même coupe que Brian. J'espère ne jamais avoir la calvitie comme Thomas Touré. Alors là, pas du tout. Et heureusement que j'ai ma copine qui cuisine très bien, parce que franchement, je pense que je serais perdu si elle n'était pas là à ce niveau-là, parce que au niveau de la cuisine, je suis nul. Je sais faire des pâtes, c'est tout. Des pâtes, une soupe que je mets dans la casserole, voilà. Et on va dire une omelette, mais sinon les basiques, quoi. Alors là, les omelettes, il y en a qui les aiment baveuses, d'autres qui les aiment sèches. Ceux qui les aiment sèches les retournent dans une assiette, les font cuire dessous. Mais sinon, une recette que moi je pourrais faire, non. Vraiment, il vaut mieux pas, parce que je pense que je risque de cramer la baraque. Il va foutre le feu à la baraque. Un jour, tu vas foutre le feu, Baptiste. Et je prends des précautions. Tu vas dehors si tu veux essayer quelque chose. Je pense que je choisirais Maxence Privot, parce qu'il m'a envoyé quelques snaps déjà où il a fait des petits plats, ça avait l'air pas mal. Mais bon, j'attends toujours son invitation. Je pense que Jérémy, ça doit pas être le meilleur. Parce que souvent, il me parle de soupe, des trucs basiques, mais je pense que ça doit pas être le meilleur. Après, s'il me prouve le contraire, je veux bien essayer. Mais après, Fab, il me fait peur aussi. Il me parle souvent de pâtes ketchup. Trêve de blabla. Comme d'hab, on va se lancer. Que je mangerai jamais, donc ça me fait un peu peur aussi. Petite anecdote, cet été, quand Thomas il était arrivé, on était allé manger ensemble et il avait trempé son pain dans l'assiette à Younes, donc ça nous avait un peu marqué, quoi, et ça le suivait un peu. J'ai jamais repassé et je pense que je vais jamais repasser, enfin j'espère ne jamais repasser, parce que je sais pas faire ça. Bonjour, c'est Léa. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment repasser une chemise. Mon lit pour moi, ah, ça c'est un gros problème aussi. Parce que souvent, quand ma copine elle est là, le lit il est bien fait et tout, mais moi, quand je me lève le matin, j'aime bien laisser mon lit comme ça et le retrouver le soir. Donc la dernière fois que j'ai fait mon lit, je pense que ça devait être la semaine dernière. Booba, 9DI, Véron. Nouveau riche, ma Lamborghini a pris quelques dodanes. Je fais ni la queue au Rix, ni au McDonald's. Si ceux qui m'ont raison, je ne suis pas raisonnable. La rafale dans ton salon, on sera sûrement désagréable. Actuellement, c'est gradure, ne reviens pas. C'est non, ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Ne reviens pas, prends tes affaires, rentre chez toi. Ah, déjà là, j'en peux plus trop écouter. Je sais qu'il y a un pote à moi, il va me voir tout de suite parce que je le rends fou avec ça, mais c'est nul en fait. Je joue à FIFA sur PS4, mais on va dire que je joue de moins en moins. J'aime bien jouer de temps en temps avec des potes quand ils viennent me voir à la maison, mais
On va dire que c'est de plus en plus rare. Honnêtement, il y en a pas mal qui sont plus forts que moi. Mais Thomas parle beaucoup de lui. Mais il y a eu des déplacements en bus où ça s'est pas très bien passé pour lui. Donc je ne sais pas trop si c'est vraiment lui le meilleur, quoi. Je déteste perdre, donc je suis vénère. Ça m'est déjà arrivé, bon, plus maintenant, mais quand j'étais plus jeune, ça m'est arrivé de balancer des manettes et tout, un peu partout dans ma chambre ou dans mon salon.